Présentez nos projets Idéaton communautaire là, qui s'allie et Marc Alain. Mon cher, un objectif principal que Branche Gain depuis a été créé, c'est supporter jeunes et supporter entrepreneurs. Et nous avons fait ça depuis plus de 5 ans et qu'on y a. Et nous toujours gain opportunité et de façon ou l'autre, que ce soit des projets qui lient à la technologie ou bien des projets que la technologie est capable de permettre d'améliorer et performance ou tout simplement opportunité pour engager jeunes dans la communauté. Et depuis période et pandémie, hein, justement, et en 2020, j'ai rentré en contact avec IRI, et c'est International Republican Institute, qui t'a fait sur façon comment pour engager les citoyens plus en Haïti. Et nous-mêmes, comme institution qui toujours supporte l'entrepreneur, nous avons proposé co-créer une initiative ensemble qui permette d'engager jeunes en deux communautés, mais à travers justement l'entrepreneuriat. Et son projet que nous pas voulu focus sur l'île Port-au-Prince, donc nous avons commencé dans 11 et l'autre commune qui est dans le nord avec le nord-est. Et ça nous a fait à travers le projet, ça, c'est que nous avons identifié des jeunes qui ont appliqué en ligne. Yo vin fait partie de communauté a et l'autre fait partie de communauté qui travaille avec nous. Nous avons bonne formation et puis nous avons ça nourrir l'incubation. C'est-à-dire tout un processus. Donc je nous vini nous former sur des problématiques qui liées avec question d'engagement citoyen avec entrepreneuriat dans zone yo et puis dans fin programme là, yo proposer nous des projets et puis nous choisir des projets mais c'est des projets qui liés à résoudre des problèmes dans communauté ça. Et ça t'est passé assez bien et jeune support incubateur à tout à distance. Ça veut dire nous t'ai un coach qui en d'embange qui était en contact permanent avec jeune ça dans communauté. Mais un élément qui était important pour nous, c'est que faut que jeune yo t'est capable de servir avec projet ça pour yo engager avec l'État dans zone côté avec secteur privé, business dans zone côté et puis société civile là. Donc à travers des projets comme ça, on est arrivé faire des partenariats entre des monde qui des institutions qui veulent supporter jeunes ça yo, utiliser plateforme nous pour faire parler de ça y a fait, mais surtout incuber et puis bailler un cob pour capable lancer ça yo veulent faire comme initiative avec objectif pour faire impact dans la communauté. Nous recevons pile feedback positif par rapport à ça et nous capable de ça plus en détail. Mais Kounia et nous décider aller en quatrième version du programme ça côté nous décider que nous allons aller national Kounia. National ça veut dire n'importe qui jeune n'importe côté en Haïti ou capable chercher lien application sur page internet bonjour publier tout côté on a communiqué tout ou qu'a fait partie de jeunes ça qui va rentrer dans le programme national n'a fait formation encore pour nous et puis n'a pas rentrer dans logique ça nous relons idéaton ça veut dire réfléchir avec jeunes dans zone Bolakayo qui problème qui gagne comment capable de résoudre de façon innovante et puis qui j'en nous-mêmes dans l'incubateur capable de supporter. N'importe qui j'en en Haïti, n'importe quoi toi pas obligé Port-au-Prince, nous bra aller joindre nous en ligne, n'a aider au monter projet ça, n'a aider au faire dans communauté et puis ouais comment capable encore une fois établir jeunes leaders dans la communauté ça qui pour exécuter des projets, interagir avec autorité, vraiment impact là c'est surtout faire jeunes yo qui viennent des plus bons leaders pour nous servir avec l'entrepreneuriat pour nous faire ça. Tout à fait. Et précédente édition, il était ghetto édition déjà qui est déroulé dans plusieurs communes et dans ville provinciaux. Il était projet était basé sur qui domaine et puis tout est-ce qu'on a une idée de enveloppe qui dépensait déjà dans trois précédentes éditions. Ya, justement, dès que tu connais ta voix venir pour moi avec Chicho, ça me prépare, me préparer pour ça. Et dans passé 10 que dans édition que nous fait passer, nous fait 3 éditions déjà. Nous incubé 41 différents projets et il y a pratiquement 3298 monde qui t'a appliqué pour participer et parmi les activités que nous fait, nous fait plus de 60 heures de formation en ligne, côté que nous mène plus de 38 formateurs pour venir parler avec jeunes et puis finalement il y a environ 492 femmes qui participent dans ce type de projet ça, on va dire plus ou moins qui projet et à date nous pratiquement dépensé plus de 10 millions de gourdes en termes de fonds d'innovation que nous baillons des jeunes différents pour différents projets. C'est-à-dire, l'on vient participer au sommet projet, à travers 41 projets, ça, que nous faisons, et nous, pratiquement, et financer jusqu'à 10 millions de gouttes et projets sous 3 ans qui se passent, et année, ça encore, nous allons financer pour, et 10 projets de plus, et projets qui peut-être plus bien positionnés, il y a des possibilités pour joindre 1 million de gouttes pour être capable, fait impact dans la zone communauté. Et moi, c'était qu'il y a plusieurs histoires que je vais raconter parmi 41 projets. Premièrement,
li permettre que jeunes yo établi leadership yo et pas garder projet yo comme des projets d'entrepreneuriat pur côté que si n'a garder rentabilité etc., tout critère strict que nous gagnons mais c'est surtout des prétextes pour nous permettre que jeunes yo engagés avec nous dans la communauté parce que objectif premier projet ça yo c'est surtout engagement civique jeunes ça yo et établir leadership des jeunes dans la communauté yo. Mais et, par exemple il y a des projets que moi me choisir rapidement monter dans tête moi côté par exemple dans Pilate c'est un groupe jeune qui était pas participé dans programme là justement qui était voulait établir une pompe gasoline dans zone Bolakayo côté que permettre que vendre gaz pour pas dans zone Bolakayo parce que c'est 3 heures de temps ça te prend pour chercher un bon gaz pour pas nos cap yo même dans perspective protéger environnemental parce que Pilate son zone qui vert en pile et yo te voulait mener gaz pour pas dans la communauté yo et puis faire engagement pour permettre que moun encourager moun pas couper pied bois et pour acheter gaz. Premièrement, projet a te permettre que tu établis un partenariat avec un ancien pompe gasoline qui était dans zone là qui était fermé parce que pas de service qui était disponible dedans et en même temps tout à travers programme on t'arrive connecté avec Belgaz qui sont compagnie qui distribue gaz dans tout pays là qui a accepté aller Pilate pour la première fois pour permettre que jeunes ça créer un business. Je dis à premièrement business jusqu'à présent existait. Donc les pérennes jeunes qui t'ai commencé et qui t'ai venu avec projet à une dans même équipe là c'est ton étudiant qui était Port-au-Prince mais qui t'ai fait projet à dans zone Bolakaili kounia jodi a étudiant ça a quitté Port-au-Prince après fini l'école l'Algérie business là Pilate il tout déménagé quitté Port-au-Prince là il était dans zone Bolakaili et il a fait un business qui est durable avec l'autre jeune qui était avec lui et partenariat il a créé avec entreprise qui vient bailler livrer puis yo continue à faire mobilisation dans zone pour encourager monde acheter gaz yo et pour suspendre couper pied bois. Ça veut dire des histoires comme ça, c'est des bagages comme ça qu'on a pensé créer et nous plein d'autres histoires, nous gagne histoire côté que des séries de jeunes dans et dans zone dans nord qui t'ai voulu monter un four électrique, un four à gaz propane encore une fois même histoire gaz propane ça côté que pas de gain gaz dans zone Bolakayo, nous rive faire un partenariat avec et compagnie Windgaz qui permet que je ne José a lancé un cassavri moderne côté que il a acheté appareil pour bien faire cassav dans zone yo on dirait qui pas fait dans zone Bolakayo des jeunes qui plantent pied bois des jeunes yo même qui aller dans activité secourisme pour permettre apprendre moun Bolakayo comment pour gagner premier geste si gon problème du feu dans zone Bolakayo charger différents projets qui fait dans différents côtés dans 11 communes qui nous travaillent là-dedans parmi lesquelles tu es Cap-Haïtien, tu es Wanamet, tu es Pilate, tu es Sainte-Suzanne qui te fait des projets et tout côté ça vous fait des projets en dans zone Bolakayo mais condition nous c'est que faut que tu travailles avec mairie dans zone là et nous fait tout projet ça en partenariat avec mairie toute zone ça on a parlé avec là et puis société civile dans zone yo pour vraiment établir leadership jeune et après moi au coin jodi a tout côté sur internet là y a posté yo mairie yo fait appel à yo les a fait activité yo même tout moi y a invité mais avec directeur général dans zone Bolakayo les a fait activité communautaire c'est vraiment des projets qui permettent établir leadership jeune ça yo pour engager yo comme citoyen dans communauté sans pas besoin venir pour tout à fait m'a suivre avec un peu d'attention là on parlait sur plusieurs et projets mon yo exécuté et participer exécuté et qui été de manière et pérenne mais certainement et m'imaginer gain d'autres initiatives qui pas capable continuer est-ce que on voulait dans projet à côté et ou coacher mon yo pour apprendre de erreur yo de échec yo pour capable recommencer parce que gain ça tout et moi calé bosser quoi. Ah oui, certainement, il y a des projets tout jusqu'à présent tout, qui a continué à essayer de grandir. Si nous étions dans la zone, et Pilate là, par exemple, il y a un projet jusqu'à présent qui difficilement pas qu'à aller dans le niveau que vous voulez, parce que vous besoin plus d'engagement. Je ne veux que décider vous-même, vous voulez moderniser ou bien reconstruire un gymnasium ou bien un terrain de football que vous avez pour permettre jeunes de impliquer dans l'activité sociale. Projet, ça, c'est un projet qui, jusqu'à présent, côté, m'a profité de voir, madame, là, si on m'a intéressé à supporter jeunes, ça, dans Pilate pour aider, ou faire, et espace, côté, qu'on a pour créer, yo. C'est la difficulté que j'ai, et nous, pas jamais blaguer, jusqu'à présent. Et, projet, nous, tout, j'aime dire, et nous accompagner, nous, pas jamais blaguer, jeunes, yo, comme, pour y aller faire, et puis nous dire, quitter ça. D'ailleurs, c'est nous-mêmes qui gérer fonds avec yo. Mais, nous, décaisser fonds, tout, sur la base de résultats, que yo même yo ban nan évolution. Yo nan projet par exemple qui était vraiment marqué moi son projet tant projet et qui était fait dans Port Margot. Port Margot son zone pour l'histoire
que l'État haïtien pratiquement est démissionné, c'est-à-dire pas une police, pas une bagarre dans la zone ça, et pas un courant non plus. Donc, insécurité, c'est un bagarre qui était compliqué dans la zone ça. Et route pour entrer pour Mango, c'est une route qui était fait noir. D'ailleurs, nous-mêmes, nous avons visité le projet avant que le fait nous était well. Et j'ai décidé que vous voulez mettre lanterne solaire, côté qui a la lumière solaire là, je n'y suis capable clairer route pour rentrer à le Pomago. Ça, c'était le projet ça qui a été porté. D'ailleurs, c'est un projet qui était parmi les meilleurs projets qui sont sortis. Et projet ça, et visibilité que nous avons allé à travers le programme, nous, et puis j'ai été accompagné, je n'y suis pas. Fait pratiquement 3 mois, je travaille avec eux à travers des coachs qui n'ont pas. Permettre que diaspora, n'importe où, vienne voir le programme ça, et tu viens continuer à contribuer pour être capable de mener à aller plus loin parce que tu as fait environ 50 lampes solaires que tu as mis sur route là. Et puis le diaspora a dit, ah non, nous avons même mis plus de lumière, comment tu es capable de supporter. Et je ne sais pas, tu viens arriver à aller plus loin avec le projet ça parce que diaspora a décidé de mettre main à la pape, permettre de grandir le projet à plus et qui établit leadership, je ne sais pas, comme des jeunes qui ont pris directement en contact avec diaspora, gérer fonds, ajouter projet. C'est-à-dire que chaque projet est différent, chaque point de vue différent, et chaque essai est impacté de façon différente, mais le point central là, c'est de nous permettre de leadership, jeunes ça. Et tout projet par rapport à faire, nous continuons à supporter d'ailleurs. Tout à fait. On nous venons sur la 4e édition, qui est capable de participer, et qui enveloppe qui a alloué avec projet, et critères de participation, critères de sélection de projet. Ok. Et n'importe qui jeune qui attendait et qui n'a n'importe qui côté dans le pays a capable d'appliquer pour venir dans le projet ça. Et ou capable de suivre toute page banjo sur Internet, nous publier le lien, c'est juste un lien. Et à ce stade, côté n'a commencé là, nous pas vraiment demandé une grosse condition pour jeunes ça venir participer. Parce que c'est pas venir ou venir avec projet ou venir chercher financement, mais c'est mener nos espaces qu'on est capable de jeune formation. Rencontrer l'autre jeune qui vient dans une bonne caillou ou bien rencontrer l'autre jeune qui a participé dans le programme là, pour nous co-créer. C'est ça fait lire un programme idéateur communautaire. Idéateur son brassage l'idée, le dit. Donc, nous pas venir avec projet tout fait dans tête tout et vous dire c'est ça, m'vient faire m'vient chercher financement. C'est pas un exercice comme ça qu'on fait. C'est un exercice, évidemment, qu'on vient avec l'idée, mais c'est un exercice de co-création ensemble et nous t'en remets pour nous, ça va former groupe tout pita en dans le programme là. Capable de travailler ensemble parce que l'objectif là, encore une fois, c'est pas juste financer le projet, c'est établir leadership jeune. Donc, n'importe qui jeune qui a coûté, capable d'aller sous page branche, aller sous page personnelle, pas moi, Alain B ou bien n'importe qui passe branche, il y a besoin d'un lien. Et conditions, faut qu'on soit jeune, c'est-à-dire faut qu'on ait entre 18 à 35 ans, faut qu'on vive en Haïti et faut qu'on vive dans une zone communauté qu'on voulait appliquer pour l'IA. Et puis, il faut qu'on soit capable de nous garantir qu'on ait un certain minimum de disponibilité en ligne pour participer dans le programme. Toute formation a fait, tout a pas enregistré, n'a mis tout jeune qui a participé dans des groupes WhatsApp, nous fait expérience déjà 3 fois, elle toujours marché très bien, n'a même voué enregistrement toute formation pour vous, qu'attendez vous, et n'a voué lien pour faire évaluation pour tout, ou à capable de faire dans le par, ou pas obligé toujours live dans toute étape formation, mais ou à jeune recording, ou à attendez vous, et pour participer dans l'évaluation, pour capable de soumettre pour jouer là finalement, former groupe, et pour le finir arriver dans la dernière phase. Et dans la dernière phase, on a choisi 10 projets, une dans chaque département dans le pays. On a choisi 2 plus gros projets qui arrivent plus loin, qui classent plus gros. On a choisi chaque 1 million de gouttes, donc ça fait 2 millions de gouttes déjà pour 2 projets. Et puis 8 autres projets, on a choisi 300 000 gouttes. Mais pas garder comme ça comme budget projet. Ce sont comme que nous baillons pour démarrer, pour lancer ce affaire, mais c'est leadership équipe qui va permettre que le projet aille plus loin. Donc encore une fois, nous avons un projet, par exemple, pilote. Et qui montent carrément en station gaz qui a aidé en communauté. Budget projet ça c'était $1,000 à l'époque. Ça veut dire c'est pas comme qui t'a fait une pompe gasoline, mais c'était moyen, c'était ressources et pas bien incubateur à la tout et n'a poussé bah au contact et puis engager même tout dans la communauté parce que c'est au même qui pour arriver connecter avec Mounio et faire leadership pour sortir pour établir tout. Donc c'est financement ça qui est disponible. 2 millions de pour 2 meilleurs projets, 300 000 pour un projet après, mais nous vraiment souhaitons que c'est leadership jeune ça qui est établi dans la communauté, quel que soit côté en Haïti, qui fait ça va être. Inscription a été commencée 15 mai, vous avez pris fin, ou bien après fin, et jeudi 30 mai, et vous avez une idée de combien de monde qui manifeste intérêt pour participer? Faut Gladimi ta bon mon update et rapidement sur ça, mais dernier update que Gladimi te ben moi t'as déjà environ 1500 monde qui a appliqué déjà dans le programme. L'état supposé fini jeudi,
mais et nous pensons que nous mettons 2 jours additionnels pour les gens qui attendent le message à Kounia. Parce que nous pensons qu'il est important que nous ayons participé dans le panel magique matin en tout. Et nous avons une session et question-réponse que nous allons faire jeudi en côté à 11h sous passe bonjour. Après toute mobilisation ça qui fait autour du projet aujourd'hui, nous avons décidé que nous avons mis 2 jours pour les gens au cas où tu voulais participer et où tu attendais le message aujourd'hui. Nous avons demandé un essai, nous avons demandé écrit, un peu de trop long, seulement manifester intérieur comme un jeune leader qui n'a pas communauté, qui gagne 18 à 35 ans, qui vit dans la communauté et qui paraît pour engager dans le programme côté besoin de formation. Sur des positions où vous avez des critères qui sont très basiques, ou qui a commencé à vivre dans le programme pour capable commencer sur formation. Ce n'est pas tout le monde qui a prêté, mais nous avons souhaité que vous allez jusqu'à arriver à soumettre un projet et puis pour capable jouer le financement et puis support incubateur. Mais on pense que l'application a fermé dans 2 jours après ça. Il dit que et on dit 1er juin, c'est ça. Donc, on y a là. Donc, sous facteur de, sachez le lien ou qu'on applique qu'on y a. Merci un peu, Louis. Est-ce que tu es disponible pour le matin, Bousseko? Mon cher, merci. C'est une belle surprise pour moi. J'aime te recevoir l'invitation et panel là et pour le matin. Courir, mettez-moi disponible comme d'habitude. Et moi, vraiment apprécier le fait que nous choisissons l'espace magique neuf là. Un côté pour me faire promotion, pour jeunes capables de participer dans le programme. Que m'espérer capable permettre de grandir leadership. Merci pour le travail, toi, chef. C'est un plaisir. Kembela, bon travail.